Bonjour les amis et bienvenue dans cette formation. Vous venez de vous inscrire à notre formation et je vous recommande, lorsque vous venez de vous inscrire à cette formation, d'attendre au moins 10 minutes ou 15 minutes pour vérifier votre boîte mail pour voir est-ce que le mail n'est pas venu. Si vous n'avez pas encore reçu le mail, je vous prie de venir vérifier dans spam. Vous allez vérifier dans spam tout et tout. Donc normalement, vous devrez avoir deux mails. Un mail qui va vous demander de réinitialiser votre mot de passe pour pouvoir créer un nouveau mot de passe. Et puis un mail qui vous souhaite la bienvenue. Donc voici le mail qui vous souhaite la bienvenue et vous allez cliquer sur suivre la formation ici. Et vous allez vous connecter avec vos identifiants. Ben là, je suppose que vous êtes déjà connecté parce que vous avez déjà défini le mot de passe. Donc déjà, on va découvrir ensemble les différents modules. Donc, si vous êtes inscrit, vous devez avoir, pour le moment, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, pour le moment, on a 4 modules, voilà, que j'ai déjà mis en ligne, mais je compte continuer à mettre en ligne les différents modules de cette formation. Le but de cette formation, c'est d'apprendre à créer un site e-commerce, on la Laravel, une petite boutique en ligne. Et le but de cette boutique en ligne, c'est d'apprendre déjà les bases de la Laravel à travers un petit projet. Donc, dans le premier module, vous allez voir l'analyse détaillée. Donc, au niveau de l'analyse détaillée, on va explorer les fonctionnalités d'un site e-commerce en prenant le cas de Jumia. Ensuite, dans la deuxième vidéo, on va lister les fonctionnalités. Ensuite, on va créer le modèle conceptuel des données. Voilà. Et il y aura un petit quiz à la fin. Dans le module 2, nous allons voir l'installation de l'environnement de développement sur Windows. Xamp, Composer, Commander, Visual Studio Code et comment installer, démarrer un projet Laravel. Et ensuite, dans le troisième module, on va voir le choix d'un template HTML CSS pour la boutique. Ensuite, nous allons voir comment installer ce template au sein de notre projet Laravel. Et enfin, nous allons voir comment installer le template pour la page de connexion et la page d'inscription d'un client. Et nous allons voir ensemble comment utiliser un contrôleur pour définir nos fonctionnalités. Et dans le module 4, nous allons voir le back-end du formulaire connexion et inscription d'un client. Voilà, donc on va voir au moins, si vous vous connectez en ce moment, vous aurez les bases de l'authentification au niveau du module 4. Il y aura aussi le module 5 que je vais mettre en ligne dès que j'ai un petit bout de temps. Voilà, il y aura un module 5, module 6, jusqu'à ainsi de suite. Tout va dépendre de ma disponibilité. Donc, en fonction de ma disponibilité, je vais enregistrer les vidéos et je vais les mettre en ligne au niveau de la formation. Donc, de temps en temps, venez voir, inscrivez-vous, connectez-vous pour vérifier chaque jour si je n'ai pas encore mis une nouvelle vidéo au niveau de la formation. Donc, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Merci aussi de suivre la formation jusqu'à la fin et de pratiquer en même temps que moi. Donc, à bientôt.